Guido travaille depuis de nombreuses années à faire des copies d'instruments et aussi des instruments qui sont d'inspiration. Il s'est inspiré de modèles anciens, il a essayé de trouver sa propre idée, mais en respectant des critères qui sont historiques toujours. Et donc il y a une grande variété parce que dans les époques qui nous intéressent, qui l'intéressent, il y a une très grande variété d'instruments à clavier qu'on n'imagine pas aujourd'hui parce que les pianos modernes sont pratiquement les mêmes sur toute la planète et que c'est une chose qui n'évolue plus vraiment. Mais les clavecins sont très très riches. Alors ici on a toutes sortes de différents modèles comme ce clavecin qui est un clavecin qui correspond à l'esthétique française assez tardive vers la fin du XVIIIe siècle, juste avant que le clavecin ne disparaisse, en tout cas pour un très long sommeil jusqu'à aujourd'hui. An keiner Hochschule Europas, die ich kenne, so möglich ist, dass man durch jeden Raum spaziert und in jedem Raum stehen zwei Cembali und drei Hammerflügel. Und also diese Vielfalt, das ist unglaublich und an jedem Instrument kann man spielen. Und ja, das ist ein Paradies eigentlich geradezu. Meravigliosa qua è che ci sono tanti clavicembali e tanti clavicembali di tipi diversi, quindi c'è il modello francese per suonare la musica francese, il modello italiano, ci sono tutti i fortepiani, c'è quello viennese, quello francese con sonorità molto diverse. È fantastico potersi trovare in un posto dove dici: beh, oggi suoniamo Couperin, allora andiamo in quella sala che c'è il cembalo che ci serve. Fantastico.